Stéphane, un peu tiens. Président Moïse Katumbi, bonjour. Bonjour. Vous venez de rendre hommage au vénérable Pierre Lumbi. Nous avons constaté un moment plein d'émotions. Que peut-on retenir? Qu'est-ce que les générations futures peuvent retenir de ce grand homme avec qui vous avez collaboré? Nous devons suivre l'exemple de ce grand homme. Pour moi, c'était un grand frère, un père, un conseiller, un ami. Pierre est parti sans me dire au revoir. Je suis venu ici aujourd'hui pour prier pour le grand frère, pour que son âme repose en paix. S'il y a eu la première alternance dans notre pays, c'est parmi les gens qui ont beaucoup contribué à ce que le pays puisse avoir les élections en 2018. J'avais deux baobas qui nous ont quittés. Le vieux Charles Mwando, que son âme repose en paix. Nous nous sommes battus pour que le peuple congolais soit sauvé. Et le grand frère aussi, Pierre, qui avait une très grande vision pour ce pays et pour notre grand parti, Ensemble pour la République, c'est une grande perte. Mais nous tous ici, sur Terre, nous allons le rejoindre un jour. Mais je demande à mes deux grands frères d'intercéder pour le Congo, pour avoir un Congo fort et uni. Quel est le grand souvenir que vous gardez de lui? Un homme de vision, un grand stratège. Je ne vais pas dévoiler le tout sur la place publique. C'est quelqu'un qui aimait son pays. C'est le grand souvenir que je retiens de Gouba Pierre.